Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pokémon Animals. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir découvrir de nouveaux Pokémon. Donc, nous allons commencer par Canafran. Il est ici. Là, j'agrandis l'image. Donc, le voilà. Il est de type psy et c'est un tout petit canard, je crois. Avec un petit pic. Donc, des ailes jaunes. Et type psy. Ensuite, nous avons. Oups. Oisifante. Qui est de type psy spectre. Et bien sûr, comme vous l'avez deviné, son évolution. Donc, le fan, ça ne veut pas dire que ça, c'est des défenses d'éléphant, bien sûr, c'est aussi des becs. Ça, c'est un peu moche, mais c'est pas grave. Donc là, c'est une boule de cristal. Là, c'est une grosse boule de cristal. Et là, c'est un peu noir parce que c'est un peu un fantôme aussi. Il est type spectre. Ensuite, grande nouveauté. Qui arrive, nous découvrons enfin le nouveau type, le type lumière. Et oui, on a besoin d'un nouveau type, bien sûr. Il y aura beaucoup plus de nouveaux Pokémon comme ça. Parce que quand même là, je venais à être un peu à court d'idées. Donc, nouveau le type lumière, et donc comme premier Pokémon de type lumière, nous avons fourmi géante. Géante. Qui est de type lumière insecte. C'est une fourmi géante. Je dirais à peu près 3 mètres. Donc oui, c'est pas vraiment une fourmi. De type lumière, oui. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que on peut voir grâce à son type et à ça. À ses petits bonbons, que par exemple il peut avoir une attaque, genre il y a beaucoup de lumière qui sort de ces endroits pour aveugler l'ennemi. Après, paf, il lui lance ça dessus, l'attaque avec ça et tout. Ça peut être une bonne idée. Alors, de ça, un énorme rayon ou de ses yeux aussi. Ensuite, nouveau Pokémon de type lumière. Bien sûr, je présente un nouveau type, mais il faut que je présente aussi Pokémon de ce type. Donc, aujourd'hui, nous pourrons découvrir, enfin, une nouvelle évolution. Enfin, une évolution d'un ancien Pokémon que nous découvrons aujourd'hui dans Pokémon Animals. Je vous présente Lumiali, l'évolution d'Evoli de type lumière. Donc c'est une petite lionne un peu, ça reste un peu un animal quoi. Il fallait que ça ressemble un peu à Evoli. Donc avec un gros soleil pour le type lumière, oui. Et là il a une toute petite perle. Si vous voyez pas bien, donc, je vais vous montrer un peu mieux. Vous voyez là le petit point jaune? Et bien, c'est lui. Donc ensuite, il y a le soleil, il y a sa queue et tout. Et ensuite, voilà. Donc, c'est une évolution d'Evoli. Enfin, et c'est la première. Et puis, un petit moment. J'en avais inventé quelques-unes aussi pour le soleil et lui. Mais bon. Et nous avons un dernier Pokémon, bien sûr. Lumière et fée. Voilà. Donner un petit intérêt entre les deux types. Donc nous découvrons Wizitil. Le type lumière. Donc, il a une grosse queue jaune. Il a des trucs un peu transparents et jaunes. Que étant des espèces de oreilles.
Il a une grande queue et il a des jambes qui peuvent assez bien bouger, comme s'il pouvait quasiment les taper contre sa tête. On le voit parce qu'il fait un peu Flamant Rosa quand même. Mais avec sa jambe, au lieu qu'elle soit un peu pliée sur lui-même, bien, elle est complètement sur le côté. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc nous allons découvrir Canafran, Epsi, Oisifan, Epsi Spectre, et Fourmi Géante, Luisilti, et Lumiali, qui sont font partie du nouveau type de type lumière. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Un nouveau type quand même, c'est assez énorme. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.